الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ قيسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons l'explication concernant comment est-ce que ban pieux prédécesseurs, ban qui fin vivent avant nous, ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi'in, sa trois premières générations de sa ummat là, quelles autres considérations ont-ils été concernant akhirat? Comment est-ce que get la vie sa dunya là, avec qui rigore? Est-ce qu'ils peuvent vivre jusqu'au dunya? Est-ce qu'ils peuvent ramasser leurs ongles, ramasser la tête en tout? Ou soit c'était une personne qui vraiment comprend concernant la réalité, l'amour? Ils connaît concernant l'importance pour préparer pour l'amour? Et aussi, ils connaît concernant l'importance pour qui, au Qiyama, d'autres parmi les habitants paradis? Et comment nous dire? C'est le monde qui nous peut vivre là. Façon que ça le monde là fin arriver, nous peut vivre dans le monde matériel. Quand prend des pyramides qu'à tantôt, chacun parmi nous, nous n'avons pas l'occupation, nous n'avons pas de distraction, nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas l'occupation, la case, nous n'avons pas de distraction, quand nous peut oublier raison principale qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin créneau à l'aimé tenu l'on salaté à la. Nous devons faire tout quelque chose fin de priorité. Le travail, nos distractions, nos bannes l'amusement. Et l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala, ça même fin de dernier dans la vie. Si nous en vie, nous adorons Allah. Quand nous en vie, nous adorons Allah. Mais peut-être nous pas prendre compte, si tant qui nous l'esprit attaché avec dunya, nous l'équipe attaché avec dunya, que nous pas prendre compte, nous pas réaliser que nous l'amour peut approcher, nous pas réaliser que l'amour c'est une réalité qui nous là pour faire face, et nous pas réaliser, nous pas réfléchir qui est une autre la vie après l'amour, la vie dans barzakh, et aussi après ça il y a une autre la vie de akhirat. Muhammad bin al-Nadr, quand tu peux mentionner l'amour avec lui, sur les côtes tu peux trembler. Sur les côtes tu peux trembler, et ensuite, et tu peux calmer lui après ça. Imagine-nous, vite ça va dire mon là, ben, qui finit vivre dans le passé. Juste avec tant l'amour, les côtes trembler. Juste cause l'amour, juste tant l'amour. Mais nous, quand nous guettons une situation, chers frères et sœurs, capable et n'aime pas devant nous. Capable et n'aime pas devant nous. Capable, une fait retourner depuis Kabarasta, une fait commenter, une kiken. Mais qui arrive? Et dans certains dimons, l'époque où quitte Kabarasta, même, les finit à l'imso cigarette. Et dans les autres, les, comment, les finit quitte Kabarasta, l'imblier l'amour. L'oublier concernant sa demeure qui l'aina pour aller un jour ici là. L'oublier tout ça là. Les récontis sur la vie normalement. Les récontis dans son désobéissance. Mais qu'est-ce que ça va être prédécesseur là? Ça va être salaf al-salih là. Zis pas pense l'amour. Zis qu'a rappelé concernant l'amour sur les cours tremblés. Et les dire aux enfants Adam. Aux enfants Adam. De maman fin de toi naissance, pendant qu'il te fait pleurer. Comment nous connaît? Un petit baba, quand il fait qu'il première quelque chose qu'il fait, il pleurer. Tandis que ban qui t'y allant autour de toi, ban là, tu peux rire. C'est un moment de contentement. C'est une réalité. Quand un petit baba, il fait prendre naissance, il fait qu'il vienne l'eau sa dunya là, il pleurer. Tandis que ban qui allant autour de lui, ban qui alentour de lui, sa famille, son papa, etc. Ban qui alentour de lui, ban la rié, ban la content. Les dire, travaille pour sa jour. Travaille pour sa jour, quand tu es pour moi là,
Toi, tu pourrais avec contentement. Veut dire une personne qui quitte sa dunya là, elle aller avec la joie, avec contentement. Comment est-ce qu'elle quitte sa dunya là, elle aller avec la joie, avec contentement? Parce que quand ange de l'amour fait mentir son roux, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بان كي الله رب ثم استقاموا أن تتني فيهم تتنزل عليهم الملائكة. سمان بيسون لا كان في نعيب لي بوزت كيت سادونيا لا بوزت علي بان أنش بودي سام. Un ange pour descendre pour une réconfort, ça dit mon là. Allah t'achafou, wa la t'achzanou. Pena pour te gaipir. Pena pour te chagrin. Pena pour te gaipir concernant qui quitte chose. Pena pour te gaipir concernant ce qui peut arriver, ce qui peut arriver toi après de l'amour. Wa la t'achzanou. Pena pour te chagrin, te peut quitter ta famille, te peut quitter ta madame, ta michée, tes enfants, ta, la famille, ta bonne connaissance. Alors, pena pour te chagrin. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جاي بون نوفيل دو paradis qui Allah fin promet toi. Imagine nous, mon frère, ma soeur. Ange de l'amour, ben, vint tiens nous roux. Nous trouvons un joli ange fin vini. Un figure brillant. Les vini, les vini réconforte nous. Les donne nous bon nouvelle de paradis. Est-ce qu'il va prendre un moment de contentement pour nous, ça? Mais pour nous jouir de ce moment-là, pour qui sa qualité ange-là vient tient nous roux, et n'a certainement c'est fou pour nous faire. Et n'a certainement sacrifice pour nous faire. Pas comme ça, même ça. Pour gagner paradis, et n'a c'est fou. Et n'a beaucoup sacrifice pour nous faire. Et n'a pas chance pour nous prendre. Surtout ça, le monde qui nous peut vivre là, rempli avec fitna, rempli avec tentation. Aujourd'hui, on a toute qualité facilité pour un monde les désobéir à Allah. Pour un dimanche, les tombes d'apêcher, il y a toute qualité facilité. Mais nous, nous besoin qu'on protège nous-mêmes. Nous besoin qu'on signifie. Nous besoin qu'on fait sacrifice. Crase nous nefs. Et là, dans ce moment-là, quand ange me tient nos roux, alors, ben là, ça va ange pour réconforter nous. Pour donner nous, pour donner nous bonnes nouvelles de paradis. Imagine-nous. Nous pas encore quitté sa dunya là, nous finissons avec une bonne nouvelle de paradis. Donc, sa personne là, il veut dire, travaille pour sa jour, que nous nous pour content, nous nous pour dans un moment de joie, tandis qu'il ban alentour de nous peut pleurer. Quand nous t'y prenons naissance, nous nous t'y pleurer, ban alentour de nous. Tu peux rire, tu peux content, tandis qu'il, quand nous nous mourons, si nous vivons dans l'obéissance à Allah, nous faisons efforts, nous faisons sacrifices, nous nous pouvons content, ban qui allons autour de nous, nos familles peuvent pleurer normal, nous quittons sa dunya là, nous allons, nous pouvons vivre dans le dernier instant, dans la terre là, nos familles peuvent pleurer, mais nous, nous donnons un moment de contentement à cause de ce qu'ils nous font faire. Donc, dans la terre là, c'est le temps que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous pour nous vivre là. Alors, beaucoup trop tard. Pleurez pour nous-mêmes. Assisez, réfléchis. Quelle qualité de la vie nous peut vivre? Quelle quantité de bonnes actions il y a dans la vie? Quelle quantité de mauvaises actions il y a? Et ensuite, regrettez. Faites-nous l'homme couler. Pleurez. Montrez à Allah qu'il nous sincère dans nos regrets. Avant que du monde pleure pour nous. Et Abdullah bin Shamit, rahimahullah, il dit, vos fintans, vos papas dire, oh, c'est lui qui peut être déçu par sa longue période de la santé qui Allah peut donner là. Mon a 50 ans, mon a 60 ans, jusqu'à aller, alhamdulillah, Allah peut donner moi la santé, mon peine a aucune complication, mon peine a diabète, mon peine a cholestérol, mon peine a tension, mon peine a nanié. Alors, nous avons tendance quand Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous une bonne santé, nous avons tendance pour être déçus par sa bonne santé. Là, nous croyons que jusqu'à mon dernier jour, au salaté, là, jusqu'à mon dernier moment, moi, vous restez avec sa bonne santé, là. Est-ce que nous pas entendons comme un dimon qui fait une mort sans aucune maladie?
Pas nécessairement qu'il faudrait que Molo Lili l'hôpital, Molo Lili l'amour, faudrait que Molo Lili de l'hôpital, faudrait Molo Lili de la case avec une maladie pour qui Malakalmov mort d'une prendre au Non. Ou celui qui peut être déçu par un grand grand espoir qui est là. Beaucoup parmi nous, malheureusement, nous laissons nous-mêmes embêter par Shaitan. Il y en a un grand grand espoir. Mon fini, moi, 30 ans, 40 ans, mon fini faire projet jusqu'à 70 ans, 80 années qui m'ont fait. Combien parmi nous, malheureusement, projet Akhirat peine. Qui m'ont préparé pour Akhirat? Qui m'ont préparé pour l'amour? Peine aucun projet. Sa même personne demande-lui qu'il est préparé pour ma prochaine banane, il finit faire projet pour 20 ans, 30 ans. Pour 10 ans, 20 ans, 15 ans, il finit faire projet. Là, mon arrive tel l'as, mon bout travail, mon ramasse mon casse, mon barons tel la case, telle place, mon basse tel le tout, mes enfants prêts pour marier, mon fait telle qualité mariage, grand mariage, pour inviter en grand cité du monde, mon finit faire bel bel projet. Combien parmi nous qui malakal mort fin vini fin prend son rôle soudainement? Tiens, un bel espoir. Tiens, un bel espoir. Tiens, un bel projet en tête. Mais malheureusement, ange de l'amour fin vini prend son rôle soudainement. Donc, est-ce qu'il nous peut être déçu par nos bonnes santé? Est-ce qu'il nous peut penser que quand on a l'espoir, quand on a un projet en tête, veut dire qu'il nous en sécurité, veut dire Allah pour donner nous l'occasion. Quand on finit réaliser tous nos bons projets, il y a là qui ange de l'amour pour venir prendre nos rôles. Non. Ange de l'amour, quand il y en a pour prendre un démon son rôle, il va vous guetter. Est-ce que sa personne-là, là, Saint-Michel-là, par exemple, si ange de l'amour prend son rôle, madame-là pour venir vivre, il y a un petit enfant en bas d'âge, comment madame-là pour faire? Non. Quand il arrive un démon solaire pour moi, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, « Wa lan yuakhir Allah nafsan idha ja'a ajaluha » Quand un démon solaire pour moi fin arrivé, Allah va pour éteindre sur l'amour. Et comme ça même, Hassan al-Basri lui dit, « Ruh un enfant, Adam, les bouquets de sa dunya là avec trois regrets. Avec trois regrets. Et un parmi là-dedans, les pannes préparent assez. » Pour ce qu'il y en a pour le faire face. Sa regret là, peut-être là, c'était là, nous pénali. Sa regret là, c'était là, nous pénali. Mais quand est-ce que regret là pour venir? Quand nous fin trouve ange de l'amour fin présente devant nous. Quand nous fin trouve ange de l'amour fin présente devant nous. Si nous pouvons vivre de l'obéissance à Allah, si nous pas vivre de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pourrons regretter. Comme on nous dit la semaine dernière, que les gens pourraient retourner dans la terre là. Les pourraient faire une bonne action. Les pourraient dire qui fait mon gaspille, mon temps qui a l'aide de moi. Qui fait mon péadis à l'état là, mon badiner, mon jouer au salatier là. On va prendre compte l'adoration à Allah. On va se trouver important pour faire une bonne action. Et vous regrettez qui fait les bandes préparées pour ce moment-là. Si, alhamdoulilah, l'in préparé, là, si les points regret dans l'île, qui regret les points regret qui fait les bandes faire assez. Si moi tu connais, moi tu fais plus sur ibadet. Si moi tu connais, moi tu fais six fara. Si moi tu connais, moi tu fais man sunnat, moi tu fais man nafil. Si moi tu connais, moi tu fais namas tahajjud. Si moi tu connais, moi donne sadaqa plus. Si moi tu connais, moi tu voulais le Coran plus. Ça regret là, les points là. Tous les deux points à regret. Et celui qui les pas préparé lui-même pour ce moment-là, les pour regretter qui fait les pas préparer. Et celui qui les préparé les points à regret. Il est capable de faire mieux. Il est capable de préparer plus bien que ça. Et Silah bin Ashyam, rahmahullah, il dit, laisse l'amour vint au slogan. Laisse l'amour vint au slogan. Quand un dimoun, l'un prend sa quelque chose qui appelle l'amour là, comment un souci, un tracas, les gains s'attraquent là, mais si demain, oubliez demain,
Si maintenant là, ange de l'amour présent devant moi. Dans quel état mon petit Sadounia là? Dans quel état mon petit Sadounia là? Là, nous dans le grand mois de Ramadan. Nous dans le grand mois de Ramadan. Et Namaz Araoui fait terminer. Combien rakat mon fait? Combien rakat mon fait? Est-ce que mon fait tout ou soit nous? Donc, quand Enzimoun, l'amour finit sur ce slogan, sa personne là, quand l'amour finit sur ce slogan, sa personne là, donc, ce tracas, ce priorité, c'est dans quel état, mon petit Sadounia là? Est-ce qu'il m'a assez préparé? Sa personne là, tout ce bon action qu'il y fait, tout bon action qu'il y fait, il peut en tête, il vous pense l'amour. Par exemple, Shaitan peut inspirer lui pour désobéir à Allah, pour commettre une désobéissance. Les pensées concernant ce l'amour, les pensées concernant la punition d'Aqabar, ça aide lui pour ne pas commettre sa désobéissance. Shaitan peut inspirer lui pour ne pas faire une bonne action, pour ne pas faire un namaz. Les pensées concernant ce l'amour, les pensées, qui ma situation peut être, qui ma halat peut être, si jour qui m'a fait quitter sa dunya là, on va faire namaz. Donc, quand il pense de sa façon là, quand il dit, il fait l'amour, il se priorité, il pense l'amour souvent, tous les jours, il pense l'amour, il se slogan, il va vous casser la tête. L'autre là, là, Allah donne les richesses, moi, Allah, pas donne, il va pas le fatiguer sur la tête avec ça, parce que c'est pas sa priorité, lui. Sa priorité, il vient au paradis. Sa priorité, prépare lui-même pour l'amour. On va le casser la tête. L'autre là, là, Allah donne les richesses. Moi qui fais Allah, pas de moi. L'autre là, là, tous les années, les petits le tonnef. Moi, mon copain roule bicyclette. Mon copain roule motocyclette. Il va vous gagner tout ça, tracala, là. Ça vous vient de manquer quelque chose d'insignifiant pour lui. Ça vous vient de manquer quelque chose qui peine à valer pour lui. Et comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى كان الله سبحانه وتعالى في نكري إنسان الله سبحانه وتعالى في نكري نو إي الله في نوفاي بان سين الله في نوفاي بان سين دا فاسون كي الله ميم في نكري نو دا فاسون كي الله في نكري نو الله في ميد بان سين إن بوي بان سين كي أنونس La plupart du temps, qui annonce qui nous l'étend au salatier là, puis à le terminer, qui fait arriver pour nous prendre compte, pour nous préparer, pour nous l'amour, c'est à travers mon CV blanc. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Man shaba shaybatan fil islam, kanat lahu nuran yawm al qiyama. C'est lui qui, les fingais CV blanc en islam, kanat lahu nuran yawm al qiyama. Ça vient une lumière pour lui, ça mon CV là, ça mon CV blanc là, c'est lui qui les gagne cheveux blancs en islam. Ça vient une lumière pour les au qiyam. Et aussi, c'est un signe. C'est un signe. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait faire faveur au moins. Mon récit peut vivre jusqu'à tel âge. Tandis qu'il m'a guetté tous les jours, m'a comme un jeune bémo. Moi, Allah fait faveur au monde. Cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de moi. Mais, qui m'a réaction? Qui m'a réaction? Allah subhanahu wa ta'ala peut faire moi comprendre. Il arrive, l'air pour te préparer toi-même, de l'amour peut approcher. Mais est-ce qu'il nous prend en compte, ça m'en signe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer là? Et, comme ça même, Soufiane al-Thawri, lui dit, moi, je trouve un vieil dimoun dans Masjid, Koufa. Koufa, c'est un endroit qui trouve dans l'Irak. Sa personne là, lui dit, moi, fin fait un amas dans sa masjid là pendant 30 bananes. Et, moi, puis attendre l'amour, vin zon moi. Pendant 30 bananes, il fait un amas dans sa masjid là, lui attend l'amour, vin zon li. Est-ce que nous, dans une situation que nous sommes capables d'attendre l'amour, vin zon nous?
Est-ce qu'il nous donne une situation que nous sommes capables d'atteindre l'amour? Nous disons, oui, maman, pareil, mon n'importe qui est, n'importe qui moment, ange de l'amour présent devant moi, maman, pareil pour aller. Combien parmi nous qui sommes capables de dire ça? Peut-être bien petit guide parmi nous. Peut-être bien petit guide parmi nous. Mais qu'est-ce que ça va dire dans le passé là? Ben là, tu peux atteindre l'amour. Ben là, donc tu peux préparer eux même pour ce moment-là. Et donc tu peux atteindre l'amour. Pour eux, quand l'amour vient, je ne veux pas pour s'agresser, je ne veux pas pour regretter. Au contraire, je peux attendre ce moment-là. Parce qu'ils te connaissent. Je suis sûr de eux. Je te connais qu'ils ont préparé eux-mêmes pour ce moment-là. Et ils disent, si ils viennent à moi maintenant, alors, je ne vais pas vous demander aucune quelque chose. Je ne vais pas vous demander aucune quelque chose. Parce que certainement, personne ne va devoir moi et ni me doit quelqu'un. Moi, je vais dire, oh Allah, demande-t-il les temps. Mon adit, mon doigt un tel tel quantité de l'argent, vous allez retourner les noms. Quand l'amour vient de moi, moi vous demande rien parce que moi pas doit personne ni quelqu'un doit moi. Donc, chers frères et sœurs, malheureusement, beaucoup parmi nous nous laissons nous-mêmes gagner emporter par la paresse. Quelque chose qui empêche nous, quelque chose qui empêche nous pour faire une bonne action. Même dans le grand mois de Ramadan, quelque chose qui peut empêcher nous. Malgré qu'il nous connaît certainement qui n'est pas pareil que les autres mois. Malgré qu'il nous connaît bien fait de ce mois-là. Malgré qu'il nous connaît valer bon action dans le mois de Ramadan. Mais quelque chose qui empêche nous pour nous lire le Coran dans le mois de Ramadan. Quelque chose qui empêche nous pour nous faire tout nous tarawih dans le mois de Ramadan. Quelque chose qui empêche nous. C'est la paresse. C'est la paresse. Et la paresse est une mauvaise. C'est une mauvaise qualité qu'un musulman faudrait pas qu'il y en a ça dans lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux chercher protection contre la paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux chercher protection contre la paresse. Quand la paresse finit prend nous, alors nous vous trouvons les loups pour nous faire une bonne action. Nous vous trouvons les loups pour nous préparer nous-mêmes pour l'amour, pour nous faire des rakat namaz. Nous vous trouvons les loups. Pour nous lire le Coran, nous vous trouvons les loups. Donc, chers frères et sœurs, si à ce là nous ne pouvons pas travailler, à ce là nous ne pouvons pas préparer nous-mêmes, nous pouvons faire paresse, mais quand nous vous travaillons, quand nous vous préparons pour nous l'amour, quand nous finissons, quand nous trouvons l'ange de l'amour devant nous, là qui nous va le préparer, ou ça joue au Qiyama qui nous va le préparer, non. Nous avons un seul sens pour nous préparer pour nous l'amour. Juste sur sa dunya là. Juste sur sa dunya là. Qui nous a sens pour faire une bonne action pour nous préparer pour nous akhirat. D'accord, nous n'avons aucun sens pour faire une bonne action. Juste là. Ça t'inquiète les temps que Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous là. Chacun parmi nous ne pas connaît. Combien de temps nous avons pour nous vivre? Peut-être quelques temps. Peut-être quelques jours. Peut-être quelques mois. Peut-être quelques bananes, personne parmi nous ne pas connaît ça. Donc, étant donné que l'amour, c'est une petite chose qui ne pas connaît, quand on est capable, présente devant nous, un musulman, tous les temps, les besoins restent préparés. Tous les temps, les besoins restent préparés. Pareil que moi, ça va être pieux prédécesseur là. Pareil que moi, ça va être salaf salih là. Maintenant, je peux vivre dans cet état là. Nous aussi, pareil. Nous besoins faire ses faux. Détache-nous un petit guide depuis sa dunya là. Comment on se prépare nous-mêmes? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuha alladhina amanu. Oman kina iman ittaqullah. Ina la frayeur pour Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Chaque nefs gété, qui les fin envoyé pour demain. Mais de chaque nefs gété, qui les fin préparé pour akhirat. Et Bilal bin Sa'd, rahmahullah, li dit, un parmi nous, alors si tu peux poser question, tu peux demander, est-ce qu'il t'en vit mort? Alors, c'est dire, non. Quand les manis qui fait de pas envie mot, les dire, afin qu'ils m'ont capable de faire ta ou bas, m'ont capable de faire une bonne action. Nous, aujourd'hui, dire, nous, t'as envie mot, non, qui fait mon pas envie mot? Qui fait mon pas envie mot? Parce que, mon a un rêve qui m'a besoin d'accomplir. Parce que, mon a au cause du sens pour tirer les pissards d'une à la cause, ça m'a pas envie mot. Mais, qu'est-ce que ça m'a dit, mon lazot? Qui fait de partir en vie mort, parce que, afin que vous êtes capable de faire tes oubas. Je te connais. Chaque jour qui Allah peut donner pour vivre,
C'est une occasion qui Allah peut nous pour faire tauba. C'est une occasion qui Allah peut nous pour faire une bonne action. Et donc, tu peux dire, donc, faire une bonne action. Et tu peux dire, moi, pour faire ça. Donc, faudrait pas qu'il nous vienne parmi ban qui nous refuse pour faire une bonne action. Nous refuse pour faire une bonne action. Et Utba, une fois, le Fingay, un conseil, sa conseil là, masine l'amour souvent. Parce que, un dimon qui masine l'amour souvent, il est capable d'être millionnaire, il est capable d'être milliardaire, sa richesse peut paraître insignifiant à lui. Ça, beaucoup de richesses qui viennent là pour faire paraître tigit. Et, ça c'est concernant un celui qui est riche et les masine l'amour, les masine akhirat. Son richesse pas bonne valeur pour lui. Mais il y a certains du monde, quand il y a une richesse, il peut oublier l'amour. Si tu es occupé avec augmente sa richesse. Une personne, quand il possède, quand elle donne les richesses, jamais il ne satisfait lui-même avec ce qui est là. Il vous avez mon gain assez là. Quantité qui est là, assez non. Tous les temps, il faut faire des efforts pour lui augmenter sa richesse. Tous les temps, il faut faire des efforts pour lui gagner plus. Et quand il fait ça, l'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans les occupés, il y a seulement l'occupation de ramasser les gens. L'oublier Allah, l'oublier l'amour. Allah dit, Al-hakum al-takathur, hatta zurtum al-maqabir. Tant qu'il n'y a pas de rentrer de kabar, vous ne pouvez pas arrêter avec ça qui est. Et comme ça même, nous terminons par ça, une autre parole de Imam Hassan al-Basri, rahmahullah, les dire, si pas qu'il y a sa trois qui est. Alors, les enfants Adam, les amènent les types baissent sur la tête. Premier, l'amour. Qui quelque chose qui tient l'arrogance d'un djimoun, ça djimoun là, quand il pensait qu'il moins mortel, il pensait qu'il moins pour mort, ça fait lui baisser sur la tête. Il connaît, ou capable un premier ministre, ou capable n'y a pas de qui qualité ou un les rois, n'y a pas de qui position qui moins dans la société ou un pour mort. Comme ça même, c'est une réalité que tout le monde connaît. Tout le monde qui fait prendre naissance, il connaît. Il y en a pour quitter sa dunya là un jour. Comme ça même, la maladie. Il n'y a aucun monde qui prend depuis sa naissance jusqu'à son amour, jamais il est malade. Non, du tout. Pour arriver à un moment dans la vie, nous vous frappez par la maladie. Il y en a qui est malade sévèrement, il y en a qui moins, mais nous vous malade. Et troisièmement, la pauvreté. La pauvreté. Pas tout le monde qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donner la richesse. Pas tout le monde qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire une millionnaire. La richesse, c'est un cadeau. Que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une faveur qu'Allah donne à celui qui l'y voulait. Mais après ça, trois petites choses-là, Hassan al-Basri, il dit qu'il y a un djimoun, un musulman, surtout, les enfants Adam, que les musulmans, que les non-musulmans, les montrer-les fiers de lui. Les montrer-les fiers. Les fiers de sa richesse. Les fiers de sa santé. Quand il y en a la santé, les fiers de sa santé. Les fiers de sa richesse. Ça, c'est concernant une petite chose qui amène fierté dans les enfants Adam. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réfléchir, chers frères et sœurs. L'autre, c'est une parole qui nous fait entendre là. Que Allah subhanahu wa ta'ala casse le sommeil si nous occupons de homi. Si nous oublions, nous l'amour. Nous oublions qu'il y a une autre place que nous avons à vivre, qui appelle Barzakh, qui appelle Akhirat. Nous occupons de sommeil. Nous occupons nous-mêmes gagner embêté par la jouissance de sa dunya là. Que Allah subhanahu wa ta'ala casse le sommeil. Allah fait nous prendre compte. Qui nous content ou pas content, nous l'amour peut coster. Et un celui qui est intelligent. C'est un celui qui le prépare lui-même pour ce moment-là, afin qu'il, comment nous dire, que tout le monde alentour de lui peut pleurer, lui, il quitte sa dunya-là avec un sourire, lui connaît qu'il peut attendre lui après la mort. Sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khaira, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.